Notre chaîne YouTube de Wissi Family. Aujourd'hui, nous allons encore voir comment préparer les poissons salés. Donc, nous allons griller les poissons salés. Et après, je vais vous montrer la suite. Pour ça, nous avons besoin des épices ici. Nous avons besoin de green and red pepper. Nous avons besoin des oignons coupés en rondelles. Vous pouvez aussi couper les green pepper en rondelles si vous voulez. Vous pouvez aussi, bon, j'ai utilisé ça parce que mes épices, je les ai déjà préparées, coupées. Alors, j'avais déjà coupé tout en carreaux. Mais si vous pouvez, vous pouvez aussi couper les green pepper, les poivrons. Vous pouvez les couper aussi en rondelles. Nous avons aussi besoin des épices qui se trouvent là-bas. Nous avons besoin de paprika, nous avons besoin de cumin, nous avons besoin d'adobo et nutmeg. Mais ici aussi, vous avez notre épice spéciale que nous utilisons toujours dans nos recettes. Vous pouvez l'ajouter, mais aujourd'hui, je ne l'ai pas ajouté. Mais si vous en avez, vous pouvez aussi l'ajouter. Vous pouvez aussi ajouter de l'ail fraîche si vous voulez. Moi, je vais ajouter l'ail. Je vais utiliser de l'ail ici. Mais il faut faire attention un tout petit peu parce que l'ail ici contient du sel. Et les poissons aussi contiennent aussi du sel déjà. Donc, je souhaiterais plus que vous puissiez utiliser de l'ail fraîche. Parce qu'il n'y a pas du sel dedans. Nos poissons ici, nous les avons trempés dans l'eau depuis hier, la nuit. Et nous sommes 16h50. C'est maintenant là que nous les avons maintenant arrangés très bien. Et nous allons les frire avant. Et après, je vais vous montrer la suite. Donc, pour le moment, nous allons d'abord frire les poissons salés. Et je reviendrai après vous montrer la suite. Merci. Nous avons fini à frire nos poissons. Et maintenant, là, nous allons passer à, passer à l'étape suivante. Nous allons mettre les oignons. Donc nous avons les oignons que nous allons mettre ici. Nous avons mis les oignons, mais il ne faut pas attendre longtemps parce que sinon les oignons vont se brûler. Nous allons mettre le green pepper, le red pepper. Nous allons mettre les poivrons rouges et les poivrons verts. Après, nous allons mettre les différents outils. Commencer par celui-ci. Celui-ci. Pour donner un peu de la couleur. Il ne faut pas attendre que les oignons brûlent. Vraiment, tout doit être un peu cuit. Donc, un peu cuit. Nous allons y ajouter le garlic powder un tout petit peu. Nous y ajoutons les adobo un tout petit peu. Ici. Nous y ajoutons le nutmeg. Celui-ci. Nous allons ajouter. Nous y ajoutons les paprika.
Puis nous allons ajouter un peu de cumin. Et puis nous allons mettre encore le sucre. Et après, sans tarder, nous allons vite ajouter un peu de l'eau. Donc, nous ajoutons un peu de l'eau dans la cuisson. Comme ça. Notre sauce ici, elle est rouge, mais quand vous voyez sur les vidéos, c'est un peu jaune par rapport à la lumière, mais ça va. Après, nous allons y ajouter le poisson que nous avons frit. Nous allons ajouter nos poissons dedans. Nous allons mélanger un tout petit peu, mais sans pour autant couper les poissons. Ici, nous voyons déjà comment notre poisson est en train de bouillir. Bouillir dans l'huile. On n'a pas mis vraiment beaucoup d'eau, on a mis juste une toute petite quantité pour que la casserole ne se boule pas. Nous sommes à la fin de notre recette. Nous vous remercions de nous avoir suivis. J'espère que vous allez aimer la vidéo et que vous allez un peu essayer de pratiquer la même chose. Nos poissons, vous pouvez les manger avec les foufous, accompagner des légumes si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas accompagner des légumes parce qu'il y a déjà des légumes dedans comme les oignons, les poireaux. Et ça, c'est un peu en gros ce que je voulais dire. Vous pouvez aussi le manger avec le riz ou bien avec les pommes de terre. Vous pouvez aussi manger avec n'importe quel genre d'accompagnateur. Nous revoir dans la prochaine vidéo. J'espère que vous avez aimé. Continuez à souscrire, partager, aimer, commenter. Et nous serons toujours ensemble. Merci de nous avoir suivis. Au revoir.